Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée, dans une demi-journée du coup, parce que la journée a déjà bien commencé, mais je voulais quand même vous montrer ce qui se passe dans ma vie un dimanche classique, on va dire, parce que le matin, bah voilà, il se passe pas grand-chose de mon côté, c'est plutôt du travail sur le bureau. Par contre, l'après-midi, je sors, je vais m'entraîner, donc il se passe des trucs, et du coup, je vais vous expliquer le planning. En gros, là, je vais aller m'entraîner. Ensuite, je vais vous faire un petit tour du studio dans lequel je tourne mes vidéos, qui est donc ma chambre d'enfance, en fait, vous l'avez compris, parce que je vous connaissais ce décor-là, mais vous savez pas ce qui se cache derrière. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et il faut aussi que j'aborde la question de mon Master 2, parce que vous le savez déjà probablement, je suis étudiant en Master 2 de droit, et je dois trouver un stage pour valider mon Master 2. J'aurai aussi des mémoires à rendre plus tard, mais ça je vous en reparlerai. Je vais vous faire un petit point là-dessus à la fin de la vidéo, mais là ça va être le moment de s'entraîner, donc on va partir faire mes affaires, je vais faire mes affaires et puis on va s'entraîner et on se retrouve tout à l'heure. Ah, je savais que j'avais oublié quelque chose, j'ai oublié mes lunettes de soleil, du coup je vais me faire reconnaître et tout, enfin voilà, en tant que célébrité, pas facile de s'entraîner tous les jours lorsqu'on n'a pas de lunettes de soleil. C'est chaud. Allez, ferme là. Bon, j'ai pas de lunettes de soleil. Par contre, il fait beau. Ça fait plaisir. Enfin, il fait chaud. Ça fait plaisir. J'ai même limite trop chaud ensuite. Mais du coup, c'est cool quoi. On va faire une petite séance. Je vais me préparer, m'échauffer, mettre de la musique. Let's go. J'étais pas censé sortir aujourd'hui, c'est juste que ça me fait du bien de sortir. Là, je vois des gens qui jouent au foot, je vois des parents qui promènent leur bébé dans des poussettes, je vois des gens qui promènent leur chien, ça fait plaisir de voir ça. Et là, voilà, je suis tout seul, je peux m'entraîner tranquille, c'est quand même cool. Et ça me fait du bien d'être ici, au calme, de m'entraîner, de mettre la musique, de me mettre dans ma bulle un petit peu. Et j'avais besoin de ça, je pense. Donc c'est cool. Je vais m'entraîner, je vais finir mon échauffement et puis je commence l'entraînement. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough. You gotta pick yourself up, cause life gets hard. It might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah. You wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, All I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard and always work hard, yeah. It's hard to have faith when you had a taste of this awful place, and if that's the case, you're sitting there sick and tired of the rat race. The fast pace has you thinking it's a bad place, you just wanna blast off and Ça me fait rire parce que vous avez une petite musique sympa au montage qui met la motive, alors que moi ma musique c'est des oies qui crient là-bas là. C'est ça ma musique de motivation, putain. Stop waiting and get going your own way. These broken dreams and these hopeless teens, how it's supposed to be. Are all these broken dreams and these hopeless teens how it's supposed to be? Là on est au calme. Tu vois, lorsque tu perds un petit peu pied dans tes journées, ou alors qu'il y a un truc qui imprévu qui arrive dans ta journée et que tu sais plus quoi faire, t'as besoin d'avoir une activité qui te ressource et qui te permet de reprendre un petit peu le contrôle sur la situation, ou de penser à autre chose le temps d'un instant pour ensuite revenir sur ta vraie vie et tes vrais problèmes. Et moi c'est le sport et ça me fait du bien de fou. C'est pour ça que je t'en parle dans ce vlog et que je t'en parle généralement dans mes vidéos. Mais voilà, c'est bien d'en parler, mais c'est aussi bien de l'illustrer. C'est pour ça que je suis allé te montrer ma séance de sport et que je te conseille d'avoir une activité qui te ressource. Maintenant que j'ai parlé de ça, on va pouvoir un petit peu parler plus de mon studio et de mes études. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai de mon stage, de mes études. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que j'ai trouvé mon stage de Master 2 et que ça commencera du coup milieu fin avril. Donc ça, c'est très cool, sachant que le directeur de stage connaît maintenant la chaîne YouTube et il connaît un petit peu mes projets et il partage aussi ma dynamique, on va dire, et mon envie d'avoir des projets à côté des études. Et il faisait aussi ça lorsqu'il était étudiant, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et maintenant qu'il connaît la chaîne YouTube, hein, peut-être que je pourrais filmer des passages de mon stage, peut-être que je pourrais parler de mon stage, faire des vlogs pendant mon stage, parce que ça va quand même me prendre une bonne partie de l'année. Et puis après, normalement, j'aurai encore un petit mémoire
à rendre pour finir mes études, ou deux mémoires, un petit et un grand, pour finir mes études, et j'aurai terminé a priori mes études de droit, et on verra du coup ce qui se passera l'an prochain, dans quelques mois, lorsque j'aurai terminé mes études de droit. Mais donc le stage, c'est fait. Force aussi à toutes les personnes qui cherchent un stage ou une alternance, que ce soit pour votre licence ou pour votre master. Force à vous, et puis j'espère que vous pourrez trouver un stage aussi. Ok. Oui. Bon, je vous avais dit que je vous montrerai le studio, à quoi ça ressemble. Donc, bienvenue dans le studio. Il y a plusieurs parties que je vais vous montrer. Il est divisé en plusieurs parties. Un endroit pour faire du sport, un endroit pour tourner et un endroit pour dormir. Du coup, bienvenue dans le studio. Alors, j'ai volontairement laissé le bureau dans l'état dans lequel il est d'habitude pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Du coup, on a un podcast, un micro de podcast pour enregistrer les podcasts. On a plusieurs câbles, évidemment. On a l'ordinateur. On a des petites idées que j'ai notées sur des post-it. Ici, on a la bibliothèque que vous connaissez. Ici, on a le fameux livre dont je vous avais parlé du coup dans une vidéo YouTube. Ici, on a mon cadeau des 21 ans offert par mes potes, donc le logo de la chaîne, enfin les initiales du coup de la chaîne. Ici, un petit tableau home. Ici, je stocke mes haltères et quelques poids que j'ai, voilà, donc c'est ici que je gère les haltères pour pas trop abîmer le sol. On a la partie home gym où j'ai mis un sol pour pouvoir faire mes pompes sans faire des pompes à même le sol comme ça sur mon sol. Ensuite, on a un petit peu d'équipement pour la boxe. On a du coup des pas hauts. Ici, on a des pattes d'ours, quelques gants. On a aussi un rouleau de massage qui me permet de me masser tout seul comme un grand. Ensuite, on a des petites chaussures quand mon cousin vient jouer au foot ici à la maison. Ici, c'est ma paire à moi. Ici, c'est un skate. C'est mon cadeau des 18 ans et c'est un Sector 9. Pour ceux qui connaissent, ici on en a un plus petit. Dites-moi en commentaire si vous êtes goofy ou régular pour ceux qui ont la ref. Moi je suis régular. On a un petit ballon de foot qui a bien servi avec le temps, c'est cool. Et du coup, au final, ça fait un petit home gym juste à côté du lit qui me permet du coup de stocker un petit peu de matos et de me créer un petit 3 mètres carrés de home gym. Et je trouve ça cool déjà, ça me permet de faire mes pompes et de faire du coup mes quelques entraînements ici. Donc en gros, ici c'est l'entraînement, ici c'est le dodo et ici c'est le boulot. Comme ça c'est bon, c'est assez équilibré. Il y a training, dodo, boulot. Enfin plutôt boulot, training, dodo si on met les choses dans l'ordre. Mais c'est quand même ici que je passe le plus de temps parce que c'est ici que j'assiste à mes cours du coup, et c'est aussi ici que je fais mes vidéos et que je gère tous mes projets. Du coup, je suis quand même content d'avoir mon petit bureau à moi ici et d'avoir aménagé un petit cadre inspirant derrière, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, je mettais mon bureau en dernier dans ma chambre parce que c'était pas ma priorité, et maintenant j'ai aménagé ma chambre en fonction de mon bureau pour faire en sorte d'avoir la meilleure vue dans ma chambre depuis mon bureau, et j'essaye de d'en faire un espace assez inspirant pour moi. Et du coup, ça va, ça me dérange pas de passer trop de temps, beaucoup de temps ici par rapport à d'habitude. Même si, comme vous l'avez vu, j'ai besoin de sortir quand même au moins une fois par jour pour me balader ou pour m'entraîner, parce que ça me fait du bien et c'est important pour ma santé mentale et physique. Ok, on est toujours dimanche et il est 22h23. Et en fait, ce week-end, j'ai passé un week-end un peu compliqué dans le sens où tout se passait bien, c'est-à-dire que j'avais bien tout prévu. J'avais la vidéo, une vidéo d'avance, j'avais tout bien prévu. Je parle professionnellement, hein, j'avais tout bien prévu, tout se passait bien. Et puis, il y a eu un truc qui a tout cassé en fait, où j'ai perdu un fichier audio qui a corrompu tout mon montage qui était terminé, qui était déjà prêt. Hein, et du coup, j'ai tout gâché avec une action. Et vous savez ce que ça fait, l'effet mauvaise nouvelle ou l'effet chose qui nous tombe dessus. En général, lorsqu'on a une chose qui nous tombe dessus,
Il y a plein d'autres choses qui nous tombent dessus, ou alors il y a plusieurs soucis qui arrivent d'un coup et on commence à avoir du mal à tout gérer et on commence à se concentrer sur le négatif aussi. C'est un petit peu dangereux lorsque on se prend comme ça un échec ou une mauvaise nouvelle. C'est un petit peu dangereux l'après échec ou l'après mauvaise nouvelle, et c'est encore pire lorsque c'est dans la vie perso. Moi ça s'est bien passé parce, enfin moi ça va parce que c'était dans la vie pro, même si c'est embêtant parce que moi je mets mon âme dans mes vidéos YouTube, et il y a bien deux choses que je valorise, c'est mon temps et mon énergie, et YouTube me prend les deux. Donc lorsque j'ai perdu cette vidéo YouTube, ça m'a mis vraiment mal, ça m'a vraiment énervé pour le coup, alors qu'il y a vraiment peu de choses qui m'énervent. Et au final, bon ben, j'ai retourné une vidéo. Aujourd'hui j'ai tourné deux vidéos, trois vidéos avec celle-ci, et j'en ai monté deux du coup, et comme ça bah, je vais essayer de faire en sorte que la semaine prochaine se passe mieux. Mais en gros voilà, si c'est pour ça que je te parlais aussi des activités qui ressourcent tout à l'heure. Si tu y a un truc qui te tombe dessus et qu'après il y a plein de mauvaises nouvelles qui enchaînent où tu as l'impression de perdre le contrôle, une activité qui ressource, ça fait du bien. Moi ma séance de sport c'était le meilleur truc d'aujourd'hui, le fait de sortir, de prendre un peu d'air frais, ça m'a fait beaucoup de bien, et c'est pour ça que je recommencerai demain. Dès que j'aurai fini mes cours, j'irai marcher un petit peu pour m'aérer un petit peu l'esprit et bouger un petit peu, parce que voilà, le mouvement c'est la vie. Et c'est pour ça que je te dis de trouver l'activité qui te ressource, parce qu'on a besoin de ça, surtout lorsque, et plus on grandit, plus on aura besoin de trouver des activités qui vont vraiment nous ressourcer, parce que parfois on aura moins de temps, parfois on aura moins d'énergie, et c'est extrêmement important de trouver une activité qui nous ressource. Donc ça c'était important, c'était vraiment un message important de ce vlog. Et donc si tu veux, ben là il est 22h30, je vais me doucher du coup, je vais petit à petit retrouver un calme pour m'endormir tranquillement et essayer de passer une bonne nuit de sommeil pour recommencer la semaine demain de la meilleure des façons. Et puis demain ben, j'aurai cours, et puis les semaines vont s'enchaîner comme ça jusqu'au stage, et voilà, on verra comment ça va se passer les prochaines semaines. Mais voilà comment ça se passe un dimanche chez Grégoire. J'espère que tu as apprécié la vidéo, j'espère que ça t'a plu de refaire un vlog, ça faisait longtemps que pas fait ça, ça m'a fait plaisir. Et puis abonne-toi si tu veux recevoir les prochaines vidéos, like la vidéo si elle t'a plu, commente-moi si t'as des choses à me dire en commentaire, si tu veux que je réponde à des questions. Et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao.